Ricky, il n'y a pas que le problème de là, il y a aussi l'axe qui a un peu de jeu. Alors la vis elle est bouffée et le trou de la vis est aussi bouffé. De l'autre côté c'est une autre forme, c'est bizarre, c'est pas du tout similaire. On remarquera au passage le super bax avec son usure. C'est pas mal hein. Avec l'électricité on enlève que la rouille. Et elle se barre vraiment aux endroits où elle a commencé à attaquer en profondeur quoi. C'est bien, ça permet de préserver une grande partie du métal. Mais je suis pas sûr que ça rouille plus vite que si on fait tout à la brosse métallique. On n'est pas tout à fait rond, en haut à droite, ouais, ça fait une forme bizarre. Ah, celui-là, bien ovalisé, quoi. Rien à voir. Enfin bref, ça devait gigoter. Avec ça en plus, là, force de frotter. Il y a du boulot sur la béquille. Ah, et puis la cerise sur le gâteau, c'est que c'est dessoudé aussi. Magnifique. Donc, elle est de travers, il faut la redresser, il faut la ressouder en même temps après. Pour le reste, c'est pas mal. Hein, le coup d'échappement, il est bien revenu. Voilà. La partie où la rouille est partie. De toute façon, tous les endroits où il y a des petits trous, c'est qu'il y avait de la rouille. Tout est parti. Le pot, sur le dessus, il y a un tout petit peu à gratter, mais tout le reste est nickel. Bon, l'intérieur, on s'en bat les couilles. De toute façon, il y aura une couche de merde dès qu'il va démarrer, d'huile et tout ça. Donc, la corrosion, c'est pas là le problème. Lui, il est bien revenu. L'intérieur, bah, on s'en cogne. Les poignets. Poignet pas brillant mais ça devrait pas être trop mal quoi. Ça c'est la gauche. L'intérieur, le mécanisme, ça doit aller. Hop là. Ben j'ai pas repensé en surface hein, mais alors c'est pas nickel, mais on va aller en mettre un coup de WD sur la gueule et puis ça sera comme ça quoi. Je pourrais à la Dremel hein, creuser un petit peu et tout ça, mais pff, dans le temps je sais pas si ça va durer. Alors l'axe il est pas encore fini. On a tous les caoutchoucs qui sont en assez bon état. L'axe qui commence à être. Qui est bien rouillé. Et puis, on arrive à la partie que j'ai faite. Donc là, la rouille, elle est assez bien partie. Voilà. La boule, bah, elle a pas trop bougé à part qu'elle est. Elle est fissurée, on se dit que ça s'ouvrira sans doute à un moment ou à un autre. Faudra faire gaffe à pas la paumer. Ici, je sais pas, je vais sans doute y mettre qu'un coup de vernis, on va voir. La gâchette de la poignée de gaz, un des premiers trucs qui s'use sur les tobacco. Elle est bouffée. On voit que ça a commencé à se bouffer quoi. Normal hein. Mais va falloir que mettre une graisse pas mal quoi. Alors lui comment qu'il est? Ben il est à peu près pas mal. Ici il reste encore un petit peu revenu. Le filetage ben il a été fait s'il veut bien. Ouais. Je l'ai repassé, les filets sont à peu près propres. Ouais, il faudra nettoyer là un petit peu la gorge. Mais non, c'est propre. Il n'y a plus qu'à.